Salut à tous, et bienvenue sur notre chaîne. On se retrouve pour un nouvel épisode de votre série préférée, L'Arôme de l'Amour. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas rater les futurs épisodes. Et si la vidéo vous a plu, laissez-nous un petit j'aime pour aider notre chaîne à grandir. Cet épisode commence avec Gaviota, qui est en train de pleurer, parce que Sébastien n'a pas appris la nouvelle de la bonne manière. Elle dit que c'est Salinas et sa mère qui avaient raison, mais elle ne les a pas écoutés. Elle dit qu'elle aurait dû dire la vérité à Sébastien depuis le début, puis, elle se met à pleurer, et dit qu'elle se sent très mal pour Léonidas. Lucrécia va chez Julia, et demande à lui parler. Julia dit qu'elle aimerait également lui parler. Avant qu'elle ne commence, Julia la supplie de ne pas abandonner Yvan, et dit qu'il y a des problèmes dans tous les mariages. Elle dit qu'Yvan a fait des erreurs, et veut les réparer, puis, elle lui demande de lui donner une dernière chance. Lucrécia lui demande de cesser de se mentir elle-même, et dit qu'Yvan est l'homme le plus menteur qu'elle n'ait jamais connu. Au même moment, Yvan fait ses valises, et envoie un message à Marcia pour lui dire qu'elle va payer pour ce qu'elle a fait quand il la verra. Lucrécia dit à Julia qu'Yvan leur a menti par rapport à l'argent avec lequel il a acheté la maison, l'avion, et la moto. Julia dit qu'elle sait, et apprécie Lucrécia d'avoir été loyale avec lui, et de l'avoir supporté. Lucrécia répond que c'est une loyauté qu'il n'avait pas envers elle, puis, elle dit qu'il l'a toujours trompée, même le jour de leur mariage avec Marcia, la femme de son partenaire. Julia n'y croit pas. Elle dit que Marcia a sûrement menti, mais Lucrécia dit non, et dit qu'Yvan l'avait même violée quand elle cueillait le café au ranch. De son côté, Gaviota va voir Léonidas à l'extérieur, et s'excuse. Elle veut dire qu'elle a essayé en vain de se mettre avec lui, mais il lui dit de ne plus parler de ça, car il l'a compris. Lucrécia s'excuse auprès de Julia pour lui avoir dit toutes ces vérités difficiles. Julia la supplie de rester avec Yvan, mais elle refuse. Julia dit qu'Yvan a besoin d'une femme comme elle à ses côtés. Lucrécia dit qu'il a plutôt besoin d'une personne à manipuler. Julia dit qu'elle parle comme s'il était un monstre. Lucrécia lui demande d'ouvrir les yeux, et lui demande de voir la haine qu'il a pour ses frères. Elle lui demande d'arrêter de supporter Yvan si elle veut l'aider. Lucia les rejoint au salon. Lucrécia dit qu'elle est venue leur dire qu'elle va quitter Yvan. Lucia reçoit un appel et devient tout à coup inquiète. De l'autre côté, Carlos est très triste à cause du départ de Bernardo. Marcella lui demande pourquoi il ne va pas avec lui, mais il dit qu'il ne peut pas abandonner son business. Marcella dit qu'elle peut s'occuper, ou alors Sébastien peut acheter le bar. Il ne dit rien, et s'en va. Marcella demande à Lemarcus si elle a dit quelque chose de mauvais. Il dit non, et qu'il voudrait acheter le bar de Carlos. Elle lui demande s'il est sérieux, et s'il a suffisamment d'argent pour le faire, et il dit oui. Elle est très contente, elle lui demande pourquoi il ne lui a pas dit cela depuis, et il dit qu'il voulait lui faire une surprise. Yvan arrive chez Carlos Mario, il s'arrête à l'extérieur, et appelle Marcia sur son téléphone, mais il tombe sur sa boîte vocale. Il appelle ensuite Carlos, celui-ci dit qu'il n'est pas là, et Yvan lui demande de lui faire signe quand il rentrera. Yvan sort de la voiture. De son côté, Marcia écoute les messages vocaux d'Yvan. Il toque à la porte. Elle va lui demander ce qu'il veut. Il répond qu'il veut parler, et dit qu'il ne quittera pas de là sans qu'ils aient eu une conversation. Marcia ouvre la porte. Il dit qu'elle a gâché son mariage. Il lui demande si c'est de la vengeance, ou de la jalousie. Elle lui demande de quelle jalousie il parle. Elle dit que sa vie a été un paradis par rapport à l'enfer dans lequel a été Lucrécia. Yvan lui demande de ne pas se comparer à Lucrécia, car elles sont très différentes, et Marcia ne la vaut pas. Il lui demande d'aller dire à Lucrécia qu'elle a juste fait cela pour le détruire. Marcia dit que c'est exactement ça, et dit que Carlos Mario et lui ne méritent aucune bonne chose. Il l'attrape brutalement, et dit qu'il va parler avec son mari si elle ne va pas dire à Lucrécia que c'était un mensonge. Il entend un bruit, et la laisse. Carlos Mario arrive chez lui, il voit la voiture d'Yvan garée, et sort son arme.
Ivan sort immédiatement et rentre dans sa voiture. Carlos Mario tend son arme sur sa voiture et hésite de tirer. De son côté, Sébastien va au bar dire à Marcella ce qu'il a appris. Il reproche Gaviota et dit qu'elle n'avait pas de raison de lui cacher sa grossesse. Marcella lui demande de comprendre Gaviota, car elle a tout fait pour aller à New York lui dire qu'elle était enceinte, mais elle a trouvé qu'il était déjà avec Lucia, et celle-ci était également enceinte. Elle lui demande à qui ressemble l'enfant, il dit qu'il ressemble à Octavio, et Marcella est très contente. Il dit que ce serait difficile pour leur famille de comprendre cela, il dit qu'il est né le même jour que Sofia. Marcella dit que c'est bizarre, et demande qui est né en premier. Sébastien dit qu'il pense que c'est Fernando, et Marcella dit que cela va être un gros problème, à cause de 5% de l'héritage. Sébastien reçoit un message, et va à l'hôpital. Au même moment, Carlos Mario va agresser Marcia. Elle lui avoue qu'elle avait une relation avec Ivan, mais dit que c'est terminé. Il lui demande comment elle a pu lui faire ça. Elle dit que lui non plus n'a pas été fidèle, puis elle veut s'en aller. Il l'arrête, et sort son arme, elle met l'arme sur son cou, et lui demande de tirer. Il range son arme, et lui demande si elle pense qu'il est stupide pour la tuer juste comme ça, puis, il se met à la battre en pleurant. Ivan arrive chez eux avec ses valises, il dit qu'il a essayé de son mieux pour être avec Lucrecia, mais dit qu'il est fatigué. Julia dit qu'elle pensait que Lucrecia exagérait, mais elle s'est trompée, elle dit que Lucrecia lui a tout raconté, et Ivan devient muet. De l'autre côté, Carlos Mario va dans son appartement secret, et appelle Wilson pour lui demander d'aller chez lui nettoyer le bazar, et de rendre les lieux comme si de rien ne s'était passé. Il lui demande également d'aller dans la chambre de Marcia lui demander si elle aimerait qu'il l'amène à l'hôpital. De son côté, Ivan demande à sa mère si elle croit en Lucrecia plus qu'en lui. Julia dit qu'elle est déçue, et dit qu'il va quitter le café Élite. Il dit qu'il ne quittera pas, car il y a investi toute sa vie. Elle le conseille de quitter en toute dignité, mais il dit que ce sont eux qui doivent quitter la compagnie, puis, il s'en va. Sébastien arrive à l'hôpital, Julia lui dit en pleurant que Sofia est gravement malade, et mourra à cause d'elle. Eduardo dit qu'elle est anémiée, et a une infection. Sébastien leur demande de se calmer, et va voir le pédiatre. De son côté, Paola appelle sa mère pour lui dire que les parents de Martin sont adorables, et dit qu'ils les ont invités au Portugal pour la fête de Noël. Julia est très contente, elle lui dit que Bernardo est allé à New York parce qu'il ne voulait plus être contrôlé. Paola lui demande s'il viendra à son mariage, et elle dit oui. Wilson appelle Carlos Mario, et lui dit que Marcia n'est pas à la maison. Il devient très furieux, et appelle Marcia, mais il tombe sur sa boîte vocale. Maracucha appelle Aurelio pour savoir comment ça se passe. Margarita sort étant toute triste, et pleure. Aurelio la console. À l'hôpital, le docteur découvre que Sofia n'est pas la fille de Sébastien. Au même moment, Margarita dit à Aurelio que son fils est décédé. De l'autre côté, Gaviota dit à sa mère que Sébastien n'a pas appelé depuis hier, et n'est pas passé pour voir son fils. Carmenza lui demande de lui laisser un peu de temps pour digérer. Gaviota dit qu'après tout ce que Leonidas a fait pour eux, elle l'a juste offensé. Carmenza dit que Gaviota se sent très mal en restant chez Leonidas, et dit qu'elles doivent trouver une autre maison. Marcia appelle Gaviota, et elle lui demande de parler calmement, car elle ne l'écoute pas. Carlos Mario dit à Wilson que Marcia doit être chez sa tante, ou chez un autre de ses amants. Wilson lui dit que le coffre-fort est ouvert, et Carlos monte immédiatement vérifier. Wilson voit le sang partout. Carlos fait un message vocal à Marcia lui demandant de revenir, avant que le problème ne devienne sérieux. Il lui demande de revenir si elle aime sa vie, et sa famille. Gaviota pense les blessures de Marcia, elle lui dit d'aller porter plainte contre Carlos Mario, car sinon, il la tuera la prochaine fois. Mais elle dit non, Gaviota lui demande de venir rester chez Leonidas avec eux,
elle dit non, et dit que Carlos la tuera s'il la retrouve. De l'autre côté, Lucia raconte une fausse histoire au médecin concernant sa grossesse. Elle dit qu'elle a découvert qu'elle était enceinte juste avant son mariage avec Sébastien. Le docteur lui dit qu'elle pense que c'est mieux de dire la vérité à Sébastien, car il faut son autorisation pour faire une transfusion à Sofia. Lucia la supplie, et dit qu'elle sera toute seule si on découvre la vérité. Eduardo la supplie également d'écouter sa fille.